Hello les amis, oui donc voilà, aujourd'hui je reviens, il fait déjà très chaud, hein. L'été n'a pas encore commencé, l'été ne commence que dans une semaine, mais voilà, beaucoup de challenges ont commencé, donc ce 1er juin, et ouais, je suis un peu à la bourre, j'ai décidé cet été de participer à plusieurs challenges, de couper plusieurs challenges. Je suis désolée si j'ai l'air un peu d'avoir chaud, mais le ventilateur tourne derrière moi et aujourd'hui, oui, c'est vraiment insupportable. En plus, j'ai dû tout fermer parce qu'en face, ils sont encore occupés à poser les fenêtres et ça fait un bruit infernal. Donc voilà, j'ai vraiment dû tout fermer. Mais bref, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler des challenges de l'été, de ma pal de l'été. Bon, vous le savez, le 1er juin, le challenge saison 2 de Twidition a commencé. Voilà, donc je dois encore vous mettre la vidéo qu'on avait fait sur Twitch. Avec nos pales, voilà. Sachant que moi, ma pale va certainement bouger beaucoup, que je vais lire beaucoup de... des romans qui sont là. J'en ai déjà parlé pas mal de certains. Je vais peut-être faire une vidéo reco. Ou voilà, une vidéo avec les lettres de l'alphabet, peut-être, enfin je sais pas, voilà. Mais tout ça, ce sera des live tweets que je viendrai vous mettre ici. Je ne sais pas encore ce que je vais faire exactement, mais toujours est-il, voilà, qu'il y aura encore des live tweets sur le channel de l'auto-édition, et que je viendrai les remettre ici. Et il y aura certainement aussi des interviews avec les auteurs sur la chaîne Twitch. Donc la chaîne Twitch est en barre d'infos, n'hésitez pas à aller vous abonner. Il y aura des interviews avec des auteurs peut-être... auto-édité, mais pas que, parce que, ben voilà, je fais le challenge auto-édition, mais il y a aussi d'autres auteurs, qui vont passer la trappe au niveau des interviews. Donc, voilà. Enfin bref, il y aura plein de trucs sur la chaîne Twitch. N'hésitez pas donc à vous abonner, et j'essaie toujours de vous avertir à l'avance quand je fais des lives. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, voilà, donc, on est parti donc pour la pale de l'été. Alors tout d'abord on va commencer, voilà, je suis, comment dire, vachement en retard, donc c'est pas ça que je dois mettre, je charge déjà l'image que je dois mettre, voilà. Je suis déjà vachement en retard pour vous présenter, voilà, donc ma pal du challenge horizon. Au fait, à la base, comme j'ai fait sur Twitch, je vais simplement l'enregistrer, voilà, j'avais fait toute ma pal d'été sur Twitch et je vais simplement l'enregistrer. Sauf que ben malheureusement ben, la coupure de courant elle a un peu foutu le bordel dans le live et je trouvais que ça allait pas, ça, voilà, ça me plaisait pas, donc j'ai préféré retourner ma pal, ma pal de l'été complète, et j'ai rajouté des livres en plus depuis, donc voilà, hein. Donc le challenge horizon, c'est quoi? C'est un challenge qui est instauré par Ingrid la lectrice, Elodie donc de la chaîne Ingrid la lectrice, et qui se déroule donc du 1er au 30 juin, voilà, donc on est déjà le 14, on est déjà à la moitié du challenge, et bah il n'y a pas de choix, il s'est 10 points ou rien, c'est 10 points où on meurt, voilà. En plus, ben, le fait que ce soit inspiré de la série Horizon qu'elle a tellement aimé, j'avoue que voilà, ça me donne envie, et puis les catégories sont super sympas, donc voilà, je me suis dit, et puis même, Elodie, c'est une personne que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai décidé vraiment de faire son challenge parce que, voilà, de toute façon, j'aime bien la suivre. Et puis, je trouve que ce qu'elle a fait, c'est très chouette. Donc voilà, je sais que c'est un peu tard pour vous en parler parce que si vous voulez participer, il reste que 2 semaines. Mais en tout cas, voilà, vous aurez ma pal. Et il y a certains livres que vous verrez très bientôt en vlog parce que, voilà, j'ai déjà commencé à lire, vous vous doutez bien. Alors, donc, la première catégorie, ne sois pas si dur avec toi, ma fille. Donc là, il faut choisir un roman choral ou avec plusieurs personnes, où la famille est importante, où il y a de l'amitié. J'ai choisi Le Charme du Coquelicot d'Agnès Brown, que, voilà, aux éditions Plume de la Marmotte, que j'ai commencé hier soir, mais que je sais que je vais certainement entrecouper entre deux. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Voilà, on suit deux protagonistes. On suit une fois l'un, une fois l'autre. J'ai oublié les prénoms, bien sûr, déjà un mot et les prénoms. Mais en tout cas, ce sont deux protagonistes très intéressants. Et je vous en parlerai plus longuement, voilà, dans un vlog.
Alors ensuite, la douleur est une faiblesse. Lire un thriller, un policier ou un roman d'horreur. Alors là, voilà, j'ai choisi Les Nuits Innocentes de David Diez chez Évasion Édition. Tout simplement pourquoi? Parce que David Diez, je l'ai déjà rencontré. Voilà, ce roman me fait envie depuis un moment, sachant que ça se passe à Berck en 1900, je sais plus, 81, si je dis pas de bêtises. Qui va avoir des enfants mutilés, voit les enfants assassinés dans des conditions très atroces, et que l'inspecteur, bah, il va pas être au bout de ses surprises. Je sais plus trop les noms, voilà, mais et je sens que ça va me plaire, voilà. Donc bah, j'ai hâte de le lire aussi. Après, on verra, voilà. Je pense que je le lirai ce mois-ci, j'espère. Ensuite, la souffrance de ce que nous aimons doit rester la leur. Alors là, deuil, maladie, mort et émotion. J'ai hésité longuement, je ne savais pas quoi mettre. Et donc j'ai mis La Maison des Morts de Sarah Pinborough. Alors là, voilà, on est en plein, hein. Une maison sur une île déserte où des jeunes attendent de savoir s'ils vont mourir. Voilà, donc on est en plein dans la mort. Et franchement, regardez-moi cette belle édition, sérieusement. C'est vraiment magnifique. Et je pense que je vais bientôt le commencer. Franchement, encore une fois, ça va être la galère pour poser les livres, hein, comme d'hab. Hein. Parce que voilà, la palle de l'été est énorme. Alors ensuite, la quatrième catégorie, quand tu es dos au mur, tu dois penser stratégie. Donc lire un post-apo, un roman apocalyptique, aventure, survie, ou une couverture avec un mur. Et là, donc j'avais vu Elodie qui avait mis, donc Elodie au pays de Toti, voilà, qui a mis Un horizon de sang de Jean-Pierre Andrevon. Et je me suis dit, ben, c'est mon moment de lire. Bon, j'ai commencé hier, hein. Je suis à la page 26, voilà. Je n'ai pas encore lu beaucoup pour l'instant, mais je compte essayer d'avancer parce que il est écrit très petit, mais il n'est pas très gros, donc voilà, je compte vraiment essayer d'avancer et de le lire assez vite. Donc apparemment, là, on est avec un monde de zombies au fait, voilà. Et le début, bah, c'est pas mal, j'aime bien, on verra bien. J'ai pas encore vu, voilà, si Elodie en avait parlé ou pas. Je sais que la ville de la chaîne Bouli-Boukiche, voilà, elle n'avait pas trop apprécié. Donc voilà, bon, on verra, je m'en ferai mon propre avis et puis on verra ce que ça donne. De toute façon, il est dans ma palle, donc autant que je lise et que je vois ce que ça donne. Alors ensuite, donc, je ferai toujours ce qui me semble le plus juste. Alors, ben, j'avais mis Orgueil et préjugés de Jane Austen. Voilà, ben, vous Orgueil et préjugés. Hein. Je ne vais pas vous faire de résumé, je pense que vous savez. Voilà, c'est une édition Milady. Donc, comment si c'est écrit différemment d'une autre édition, je ne sais pas. Mais toujours est-il que, voilà, normalement, on fait une lecture commune à partir du 25, si je ne me trompe pas. Voilà. J'essaierai de respecter la lecture commune. Et si j'arrive pas à respecter la lecture commune, voilà, toujours le fameux Le Roi se meurt de Ionesco. Qui est une pièce de théâtre, mais bon, je verrai ce que je lis. Je ne sais pas encore. Alors ensuite, donc la sixième catégorie, ne jamais donner d'emprise sur soi aux autres. Donc là, c'est vraiment, il faut lire un livre, le livre qui te fait plus envie, ou un livre de la maison d'édition qui te fait plus envie. Alors je l'ai assez dit, franchement, je me suis auto-hypée avec ce roman. Mort cruel, voilà, Yakuza, tome 1, Mort cruel. Je l'ai déjà lu, bah oui, celui-là, il est lu. C'était le premier qui a été lu, voilà, pour le Challenge Horizon. Lui est terminé, franchement. J'ai passé un moment, mais ce roman est riche. Ce roman est tellement bien foutu. J'ai adoré cette histoire de Yakuza et je veux la suite, je veux la suite. Je vous en reparlerai plus en vlog, voilà. Je vais pas commencer à m'étaler ici sur les romans que j'ai lus. Mais sachez que, voilà, je veux la suite. Franchement, la plume de Cyril Vial. Et puis, cette histoire de Yakuza. Ah, j'ai surkiffé, franchement. J'étais vraiment. Adoré, voilà, c'est un petit thriller fantastique et une petite touche de fantastique qui est vraiment très très bien faite, très bien dosée. Franchement, j'ai adoré ça. Alors ensuite, donc Horizon est une saga en 4 tomes, c'est ça. Et donc il faut finir ou continuer une saga. Alors moi, j'avais choisi, voilà, de commencer une saga avec Carrousel Funeste, tome 1, la marque 10 Engrains. De Fenris, voilà. Je l'ai légèrement commencé, mais j'ai pas beaucoup avancé pour l'instant. Voilà, donc j'espère pouvoir le finir
à la fin du mois de juin. Sinon, il sera remplacé par un roman que j'ai fini de lire, Memento Mori Miserere tome 1. Donc celui-là sort le 25 juin. Donc voilà, celui-là je l'ai lu et voilà, il n'est dans aucune catégorie. Comme c'est un tome 1, limite je peux le mettre à la place de Carousel Funeste, vraiment, voilà, s'il faut. Alors ensuite, Xalé la guerrière. Donc là, ben, le personnage principal doit être féminin. J'ai presque fini de le lire, voilà. Une couronne d'os et d'épines de Emily Norsken, donc qu'on lit en lecture commune dans le cadre du PIB. Je suis dans la quatrième partie, mais j'aimais bien, franchement, l'univers riche et tout, mais la quatrième partie, je me traîne dessus et je me traîne à la reprendre, au fait, voilà, et c'est pas bon, faut que je me force à la reprendre assez vite, parce que sinon, après, ça va être compliqué, voilà. Donc, celui-là, il est quasi terminé, au fait, hein. Alors, ensuite, Licia Maro, auteur, mais aussi illustratrice. Ah ben là, donc, il fallait lire un graphique ou à lire un roman avec une autrice. Donc voilà, une autrice et en plus un graphique. On est en plein dans le graphique. Je vous en reparlerai. Voilà, Féministe in Progress, ouvrons les yeux sur le sexisme de Laurie Meyer. Je sais pas pourquoi je choisis celui-là, comme ça, c'était celui-là que j'ai eu sous les yeux. Et puis, je me suis dit, une autrice, voilà. J'ai pas cherché. Et ensuite, donc la dernière catégorie, science-fiction exceptionnelle. Alors là, donc il faut lire un SFFF, un roman Inception ou une couverture bleue qui fait penser à l'espace. Voilà, donc là je vais lire De l'autre côté des étoiles de Jérôme Patalano aux éditions Inception. Et si je ne me trompe pas, on commence à LC. Donc si je vous mets cette vidéo en ligne aujourd'hui mardi, on commence la LC demain, mercredi 15, si je ne me trompe pas. Voilà, donc il sera très très vite lui aussi, je pense. Franchement, j'ai hâte de le commencer celui-là parce que je sais pas pourquoi. Mais il me fait super envie aussi. Alors, donc il y a des petits bonus. Un point bonus par chaque part. Donc par chaque. Si on remplit chaque catégorie. Par contre, là ouais. Je crois que j'aurai déjà 3 points là. Parce que la lecture commune, ce sera fait. J'ai vraiment envie de lire donc le tome 1 d'Horizon. Voilà, j'ai vraiment envie de lire le tome 1 d'Horizon. Franchement, je l'ai dit, je lirai ce tome 1 d'Horizon pendant le challenge d'Elodie. Parce que voilà, elle m'en a tellement parlé de cette saga. C'est sa saga chouchou chez Inception. Donc voilà, avant la fin du mois de juin, je veux avoir lu Horizon, quitte à zapper une catégorie. De toute façon, je peux zapper 2 catégories pour le lire. Donc ma foi, c'est tout à fait possible. Hein. Surtout pour l'instant, j'en suis pas trop mal. J'ai terminé Yakuza, Féministe in Progress. J'ai presque terminé Une couronne d'os et d'épines. J'ai commencé Le charme du Cloquico, Un horizon de cendres. Donc voilà, je pense que je suis pas mal. Et là, j'ai déjà 3 points. Donc, je pense que ça va le faire. Je pense que je vais le réussir ce challenge. Je sens bien. On verra, hein. On verra au fur et à mesure des vlogs si j'ai réussi ou pas. Mais je pense que oui, ça va le faire. Alors ensuite, il y a un deuxième challenge qui est donc l'été lisons l'Asie, voilà. Donc qui est organisé par Eva de la chaîne Perfect Book. Je mettrai tous les liens en barre d'infos de toute façon, voilà. Et ce challenge, voilà, l'année passée, j'avais quasi pas participé. Et cette année, j'ai vraiment envie d'y participer beaucoup plus. J'ai vraiment envie de faire beaucoup plus de lectures. Et c'est un peu comme la... Vous savez, Avril autour de l'SF, je vous avais dit, j'ai pas envie de m'arrêter après Avril autour de l'SF. Et pourtant, je n'ai pas relu beaucoup de SF depuis. Donc voilà, là, c'est pareil. J'ai pas envie de m'arrêter après le mois de septembre. Et voilà, il faut que je continue. Il faut que je continue, tout simplement. Parce que déjà, rien que d'avoir lu Yakuza, franchement, c'était... Il rentre, Yakuza, il pourrait rentrer limite dans des catégories. Je vous en reparlerai si vous voulez quand on arrive aux catégories. Je vous en reparlerai en vlog aussi.
Donc, Eva a choisi de faire un fil rouge avec tout d'abord donc le tour de l'Asie. Donc le tour de l'Asie. Je n'ai pas mis des livres dans tous les pays parce que ben voilà, hein, c'est compliqué d'en trouver. Et puis je sais que je n'irai pas tout. Je sais que là je me fais une palle. Mais clairement, voilà, je n'irai pas tout. Alors la Turquie, déjà pour l'instant, j'ai rien. Ma foi, c'est pas grave parce que j'irai pour les autres pays. Le Liban, pareil, je n'ai rien. L'Iran. L'Iran, si, si, l'Iran. L'Iran, je vous spoil, je vous spoil. L'unboxing que j'ai fait. Ouais. L'unboxing que j'ai fait dans le vlog que je suis occupée de tourner, bon, ma foi. Et le book haul que j'ai fait sur Twitch et qui sera remis sur la chaîne, voilà, je vous spoil. Donc voilà. Pour l'Iran, ce sera Des Orientales de Negar Javadi. Et celui-là, j'espère vraiment le lire. Parce que voilà, le résumé me fait super envie. Si nous étions. Donc, on est dans une fresque flamboyante, en fait, sur la mémoire et l'identité. Un grand roman sur l'Iran d'hier et la France d'aujourd'hui. Et voilà, je suis super curieuse. Ça fait un moment que ce roman me fait envie. Et j'avoue que je suis vachement, vachement curieuse. Alors, ensuite, donc, nous avons l'Afghanistan. Alors là, j'ai choisi de lire Mille Soins et Splendides de Khaled Hosseini. Il est dans ma palle depuis l'année dernière. Et ben, il est quand même assez gros, mais bon, voilà. J'espère arriver à lire ce genre de livre, voilà, pendant l'été. Il devait être un peu humide, celui-là, quand je me le suis procuré, parce que je trouve qu'il est fort rigide, là, mais bon, soit. Donc ici, on est en plein dans l'Afghanistan. Et ben, j'avoue que ça me rend très, très curieuse, voilà, je ne vais pas faire les résumés de tous les livres parce que sinon on est parti pour très très longtemps, voilà. Mais voilà. Je vous en reparlerai plus dans les vlogs. Hein. Je pense que dans surtout j'en avais beaucoup plus parlé, mais bon là je vais pas parce que je me rends compte que j'ai rajouté des livres en plus. Donc. Alors ensuite, donc, on passe en Inde. Ah bah oui, bah en Inde, celui-là, je vais le lire, c'est sûr, je veux le lire. J'ai kiffé le film Slumdog le millionnaire, voilà. Donc là, ce livre, quand je l'avais vu, je me suis procuré direct. Les fabuleuses aventures d'un Indien malchanceux qui devint milliardaire, de Vikas Warloop. J'avoue que je suis curieuse parce que j'ai tellement kiffé le film. Voilà que ben, j'ai très très envie de lire ce livre. Encore une fois, c'est pas. Voilà, on est directement dans les 400 pages, mais voilà, je suis. J'espère que je pourrai passer du temps en extérieur à lire. S'il fait du temps comme ça, voilà, je passerai plus de temps en extérieur à lire, à mon avis, qu'à tourner des vidéos cet été. Et j'en profiterai. Alors, donc, ensuite, la Mongolie. Bah, la Mongolie, hein. Voilà. Pas d'originalité. Yerul Leger de Yann Manouk. Voilà, je l'ai depuis 2019, je pense. Je l'ai pris en salon. J'ai le deuxième également. Donc voilà, j'ai vraiment envie de le lire aussi cet été. Si dans cette page vous voyez un livre qui vous tente aussi, que vous avez envie de faire une lecture commune, surtout n'hésitez pas, hein. Ce sera vraiment avec un énorme plaisir. Alors ensuite, la Corée du Sud, ben voilà, j'ai choisi 7 yeux de chat de Choi Jae-hon, si j'arrive à le dire. Alors là, j'avoue que ça m'intrigue un peu, c'est 6 invités qui ne se connaissaient pas, et dans un chalet, voilà. C'est du piqué-poche. Et ce chat sur la couverture, il me fait craquer. Je suis très curieuse de le découvrir également, mais je veux dire ça avec tous, hein. Ils sont dans ma palle, pourtant je peux le lire quand je veux, mais voilà. Et alors donc. Il reste le Vietnam. Le Vietnam, donc là, voilà, Terre des oublis de Tu Huong. Voilà. Donc pareil, j'ai trouvé l'année passée, donc à la ressourcerie. Il n'y a pas 2 ans quand même déjà. Il y aurait 2 ans déjà qu'il est dans ma palle. Je vois 2020 sur l'étiquette. Ouais, quand l'étiquette de la ressourcerie, je vois qu'il est encodé en 2020. Enfin bref. Toujours est-il que voilà, j'ai hâte de lire pareil. Et de découvrir cette jeune vietnamienne. C'est pas petit non plus. Hein. Donc voilà, s'il n'est pas petit, je suis tout à fait ouverte à des lectures communes. Alors ensuite, donc on continue le fil rouge avec des auteurs d'Asie. Alors là, par contre, ben voilà,
J'ai pas rempli beaucoup de catégories, mais c'est pas grave. C'est des auteurs que je retiens. C'est des auteurs que, voilà, si je trouve en brocante, en sorcerie, Noz, Emmaüs, tout ça, voilà que je penserai à lire. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui est. Alors, Sawako Ariyoshi, j'ai rien. Liu Cixin, j'ai rien. Nadia Hashimi, j'ai rien. Yuko Mishima, j'ai rien. Salman Rushdie, j'ai rien. Elif Shafak. Elif Shafak, j'en ai deux maintenant. Mais je vous spoil pas. Ce sera trois fidèles. Parce que c'est le plus ancien de ma palle, voilà. Et c'est celui-là, du coup, que je lirai. Même si j'en ai un deuxième d'Elif Shafak, je vous spoil pas. Sauf si vous avez déjà été sur Twitch, mais sinon vous verrez pourquoi je vous dis ça. Quand je vous mettrai la vidéo Bookhaul, donc du live de Twitch. Voilà, donc trois fidèles, je suis curieuse de découvrir Elif Shafak. Et encore une fois, comme je dis, hein, je vous en reparlerai plus en vlog, parce que bon, bah là, si je vous parle de tout, ça va être énorme. Alors ensuite, Haruki Uryu Murakami. Haruki, voilà, je vous en ai parlé, Kafka sur le rivage. Voilà. Haruki. Ryu Murakami, celui-là, ça fait longtemps que je veux le lire. Et voilà, je vous spoil une part du Bookhaul. Parce que voilà, je l'ai enfin, les bébés de la consigne automatique de Ryu Murakami. Je n'ai pas que celui-là, j'en ai trois maintenant dans ma palle. J'en ai trois qui sont rajoutés le même jour à ma palle. Et je suis ravie. Mais c'est le bébé de la les bébés de la consigne automatique qui me fait tellement envie depuis un moment que voilà, ce sera celui-là que je lirai de toute façon. Alors, bah voilà, Ito Yoko Gawa, pareil, j'ai rien. J'ai rien, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, on va suivre un peu à la fois. Et... Alors, Japon. Un polar japonais. Peut-être que j'en rajouterai un, je sais pas. Faut que je regarde. Faut que je regarde si ça rentre dedans. Mais c'est possible que oui, je m'en suis acheté un en brocante. Encore un spoil, voilà. Du Bookhaul à venir. Alors, un manga. Alors, voilà, ce sera... À l'endroit, c'est mieux. J'ai toujours du mal à prendre les mangas à l'endroit. Shibuya, elle, voilà. Donc, j'ai les trois premiers tomes, là. Et, ben, voilà. Je suis curieuse de découvrir ce manga. J'ai reçu les trois tomes pour Noël et mon anniversaire. Voilà, donc j'ai hâte. Ben, Shou Karpokoi, ben, voilà, encore une fois, hein. Je peux soit prendre Kafka sur le rivage... Ou soit prendre Shibuya L. Voilà, au choix. Je peux soit prendre l'un, soit prendre l'autre. Voilà. Donc, ça me va très bien, hein, écoutez. Un mot japonais. Un mot japonais. Alors là, voilà, j'ai un petit livre. J'ai un petit livre. Toto-chan, la petite fille à la fenêtre de Tsetsuko Kuroyanagi. Voilà, j'avoue que ce roman, bah, je l'ai aussi depuis... Depuis l'année dernière, ou je sais plus, ben voilà. Et je l'avais basicage pour trois fois rien. J'avais vu la petite fille sur la couverture, ça m'avait paru mignon. Et j'étais curieuse, voilà, de découvrir l'histoire de Toto-chan. Donc voilà, ça se lira très très vite, je pense. C'est tout petit. Alors ensuite, des relations internationales, ben donc ça, voilà. Je n'ai rien. Attendez, j'ai raté. Non, je zappe des trucs. Le phénomène violent. Alors, le phénomène violent, si j'ai mis, voilà. Et j'aurais pu mettre, par exemple. Mais bon, Eva parlait plus d'auteurs, voilà, asiatiques. Donc. Mais j'aurais pu mettre Yakuza, que je vous ai montré. Donc, voilà, j'ai choisi Tokyo Vice. On verra, de Jack Adelstein. Donc c'est une fascinante plongée dans la société, dans les bas-fonds de la société japonaise. Et là je pense qu'on sera aussi avec une histoire de Yakuza, un fumeux, un dangereux, le Yakuza le plus célèbre du Japon, voilà. Et je suis super curieuse, voilà, de le découvrir. Pareil, après avoir lu Yakuza de Cyril, je suis tellement curieuse de redécouvrir une autre histoire de Yakuza, franchement, parce que... Voilà.
Déjà, les Yakuza, il faut savoir que bah, j'adore regarder mon homme jouer aux jeux vidéo. Voilà. Il y a le jeu vidéo Yakuza, j'adore regarder mon homme jouer aux jeux vidéo. Je suis fascinée quand il joue à ça. Donc voilà. Maintenant, lire des livres sur Yakuza, mais ma foi, ça me plaît vachement. Voilà. Donc, un livre qui se passe au sein d'un foyer gérien. Un livre qui évoque les relations entre Japon et le pays, donc les relations internationales algériennes. Une catastrophe naturelle. Je vous spoil le boucol, voilà. Après le tremblement de terre, il est tout petit. Ça se passe au Japon en 1995. Et il va avoir un très terrible tremblement de terre à Kobe. Voilà, si j'arrive à lire. Voilà. Donc, je pense que là, on est bon pour le Japon. Alors, après le fil rouge, donc voilà, on arrive au mois de juin. Mais est-ce que, voilà, justement, est-ce que je vais lire au mois de juin? Est-ce que je vais arriver à lire en plus? Ça que je me pose la question. En plus, le mois de juin, là, je me mets plus sur le Challenge Horizon. Donc, est-ce qu'avec le Challenge Horizon, je vais arriver en plus à lire, voilà, des romans. Il n'y en a que 4, mais. Enfin, pour moi, il n'y en a que 3 parce que, voilà, j'ai que 3 catégories remplies. Mais je me demande si je vais y arriver, voilà, à les lire. Donc, le thriller ou roman noir, ben, j'ai remis. Sans surprise, il est où? Il est passé où? J'ai remis Yeru Dagger. On est tout au fond, bien sûr, maintenant, voilà. Donc, j'ai remis Yeru Dagger. Donc celui-là, c'est sûr, je le lirai quoi qu'il arrive. Hein, parce que de toute façon, même si je ne le lis pas en juin, voilà, je le lirai pour une autre catégorie. Pour le fil rouge. Alors un titre ou une couverture évoquant les cinq sens. Punaise. C'est le gros bordel. Voilà, donc les cinq sens. C'était, voilà, les couvertures, bah, je trouve que cette couverture, elle se représente bien les cinq sens. Voilà, donc comment apprendre à s'aimer de Motoya Yukiko. Donc c'est aux éditions Piqué, voilà. Hein. Un tout petit livre qui va se lire super vite. Peut-être que celui-là, j'arriverai donc à le caser donc au mois de juin, peut-être, je sais pas, on verra, tout dépend. Pour l'instant, j'ai pas un rythme de lecture folichon. Donc est-ce que je vais y arriver? Ouais, je fais des catas. Pendant la vidéo, c'est pas grave. C'est que c'est une pâle et puis voilà. Donc une analyse de la société. J'aurais pu mettre les bébés de la consigne automatique. Peut-être que j'irai celui-là pour l'analyse de la société. Si voilà, si j'ai moins de temps, vu que c'est prévu que je lise. Ou peut-être que j'irai Baby G de Abba d'Awessar. Voilà. Encore une fois, je vous spoil le boucol. Voilà. J'avoue qu'il m'intrigue aussi, en plus ça se passe en Inde, donc voilà. Encore un roman que je pourrais lire pour l'Inde aussi, voilà. J'avoue que je suis curieuse. Alors donc ensuite, au mois de juillet, ce sera plus facile. Au mois de juillet, parce que voilà, il n'y a pas de. Il n'y a plus d'autres challenges. Enfin si, il y a des autres challenges, hein, mais voilà. Clairement. Alors donc, voilà, on va essayer de pas tout faire tomber. Oui. Alors, un mot invoquant la nature dans le titre. Bah voilà, bah j'ai remis Terre des Oublis. Donc Terre des Oublis, ce sera certainement en juillet que je lirai. Hein, voilà. Un titre ou une couverture évoquant l'un des quatre éléments. Bah, on est clairement, là, voilà, les mensonges de la mer. On est clairement, voilà, avec de l'eau. Donc, de Nachiki-Kao. Et voilà, c'est chez Piqué également. Je les avais trouvés l'année passée chez Noz. Et je ne les ai pas lus. Donc là, il faut que je les lise maintenant. Parce que. Alors, un récit initiatique ou d'apprentissage. Il me semblait que j'en avais un. J'en avais un dans mon book-haul. Donc il faudrait que je regarde. Voilà, dans les livres qui sont encore dans mon book-haul. Parce qu'ils sont encore tous ensemble. Et il faudrait que je regarde si je peux en ajouter un à cette catégorie. Je pense que oui. Et alors ensuite un roman qui fait voyager dans un pays. Voilà, j'ai choisi La course aux moutons sauvages de Haruki Murakami.
dans le live des vents, on disait que ça faisait voyager dans le Japon, dans un pays, donc voilà, à Tokyo, j'imagine. Donc voilà, on verra bien. J'avoue que je suis curieuse de le découvrir. On verra bien si je lis ou pas, hein. Ça, c'est autre chose. Ça fait beaucoup de livres à lire tout ça, hein. Alors ensuite, au mois d'août, bah voilà, on va imaginer l'Asie. Alors, un livre invoquant un mitouni, j'en ai pas. J'en ai pas, je ne pense pas, voilà. Un recueil de poésie ou nouvelles, donc là, voilà, je l'avais dans ma page, j'ai choisi Le Dernier Souper et autres nouvelles de Shusaku Endo. Voilà, donc je suis curieuse, c'est des toutes petites nouvelles, ça va sur super vite. C'est nickel pour le mois d'août. Un livre SFFF. Eva, là, on a parlé beaucoup. Et bah, je les ai tous dans ma page. J'en ai plusieurs de Koji Suzuki. Voilà. J'ai les suites dans ma page. Donc, bah voilà, je vais lire Ring. Je vais enfin lire ce roman. Parce que franchement, le film est tellement top. Et bah, je suis curieuse, voilà, de découvrir le livre. Parce que, bah, généralement, il faut avouer que les livres sont beaucoup mieux que les films. Donc, voilà. Et puis, donc, la dernière catégorie pour le mois d'août, c'est un graphique ou de l'art, voilà, ou un livre invoquant l'art. Et là, donc, j'ai choisi un graphique, La Déchéance d'un homme, de Junji Ito. Ça me permettra enfin de découvrir Junji Ito, donc c'est le tome 1. Et si je kiffe bien, eh ben, le reste vont aller dans ma wishlist pour la fin de l'année. J'avoue que je suis très très curieuse de découvrir enfin Junji Ito. Et bah, j'attendrai le mois d'août. Ce sera long, mais j'attendrai le mois d'août. Et voilà. Celui-là aussi, je l'ai depuis mon anniversaire Noël. Et puis, ben, je l'ai un peu gardé exprès, au fait. Et puis, donc, voilà. Donc, le dernier. Mémoire d'Asie. Donc, qui se passe en septembre. Un roman historique. Ben là, je sais pas. J'ai pas vraiment trouvé. Une saga familiale, je vous l'ai montré tout à l'heure. Il se trouve où, je ne sais pas, des orientales. Voilà, je vous ai montré des orientales. Voilà, il est ici. Donc voilà, je lirai des orientales de Negar Djavadi. Vous savez que je suis très curieuse de découvrir celui-là et je pense que bah, au mois de septembre, ça le fera bien parce que bah voilà, j'aurai plus tellement de challenges et un vêtement traditionnel sur la couverture. Donc là, voilà, j'ai trouvé certaines n'avaient jamais vu la mer. De Julie Otsuka. Encore un tout petit livre que j'avais trouvé à la ressourcerie. Vous l'avez vu en boucle il n'y a pas longtemps, je crois. Ou vous l'avez pas encore vu en boucle parce qu'il y a un boucle qui traîne, là, donc je ne sais pas. Peut-être que vous l'avez vu, peut-être que vous l'avez pas vu. Et alors, biographie témoignage. Ouais, voilà, donc j'avais... Celui-là, je m'en suis rendu compte que voilà, ça pouvait bien rentrer dedans au moment où voilà, j'ai fait le live. Note d'Okinawa de Oe Kenza Bureau. Donc voilà, parce qu'il fait des séjours sur lui, il nous délie avec les habitants. Donc voilà, on peut dire quelque part que c'est un témoignage parce que ben il. C'est un carnet de voyage en même temps. Donc voilà, on peut dire que c'est un peu une biographie ou un témoignage. Ben, plus un témoignage au fait. Voilà, bah écoutez, c'en est tout pour les catégories. Non, les catégories de Lisons l'Asie. Et alors, j'ai rajouté encore trois petits livres que j'essaierai de lire, on verra bien. Une forêt de laine et d'acier de Miyashita Natsu, voilà. C'est une histoire donc sur un jeune, voilà, qui a un piano et puis qui rencontre, voilà, qui sera accordeur de piano. Et c'est son rêve, voilà, donc on verra ce que ça donne. J'avoue que celui-là, voilà, je l'avais présenté l'année passée. Nipponia Nippon de Abe Kazushige. Donc pareil, là, je suis curieuse, voilà, c'est un jeune qui a développé donc une passion pour l'ibis japonais, voilà, et on va suivre sa passion pour l'ibis japonais. Et peut-être que je sortirai donc cette intégrale qui est toujours bistée, que j'ai reçue également l'année passée donc pour Noël et mon anniversaire. Voilà, Jo de Junji Ito. J'avoue que j'aimerais trop le sortir. Je suis tellement hypée par ce manga. Et puis donc il y a
un autre challenge qui est le Paye ton slip, donc qui a déjà commencé aussi. J'ai pas encore compté mes lectures, mais c'est pas grave parce que je sais ce que j'ai lu. Et voilà, je vais commencer à les compter tout doucement. Donc là, voilà, j'ai plusieurs livres pareils que j'ai envie de lire. Ouais, le Paye ton slip, on va le mettre par là. Je vais viser la taille L, je vais pas viser plus parce que voilà, c'est vraiment les romans, il n'y a pas de manga, il n'y a pas de BD, il n'y a rien. Donc je vais vraiment viser la taille L. Donc je vais lire Les Sept Lames de Jérôme Camdescas aux éditions Crunchimer, Chimère, voilà. Je vous en parlerai plus donc dans un vlog, pareil. Parce que vous voyez, ils sont en 35 minutes et si je vous présente tout ça, ça va. Le Pacte des mondes, voilà, donc qui est un tome 1, la manifestation de Sceaux d'Odin, voilà. C'est de l'auto-édition et c'est un roman de fantasy. Et puis ben, il y a Memento Mori qui est déjà lu, voilà, hein, je vous en ai parlé. Ça, c'est pour les numériques. On va essayer de faire de la place un peu. Vous voyez tout l'appel de mon boucle derrière là-bas. Hop là. Donc là, vous verrez que j'en ai rajouté pas mal aussi. Et donc, en même temps que le Paye ton slip, j'ai envie de participer aussi au challenge donc, de Virginie. C'est comment encore maintenant? L'été en saga, je crois. Oui, c'est ça, c'est l'été en saga. Donc, Virginie Totalibun, je mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc, voilà. L'été en saga, tout simplement, consiste à commencer des sagas, continuer des sagas, terminer des sagas, enfin voilà, vous voyez un peu le principe. Et donc, ben, je le préciserai au fait dans mes vlogs, quand je continuerai, commencerai des sagas, machin, pour le challenge Virginie, voilà, je le préciserai. Après, je crois que pour le slip taille L, je crois que je suis tout bon, là, franchement, je crois que j'ai facilement mes 25 livres. Donc je lirai également cet été avec GG Booking normalement et Katz, la chaîne Livre et Sac à Dos, voilà, le manuscrit inachevé de Franck Thillier. Voilà, je pense qu'on se lira plus en juillet. On devait lire en juin, mais moi je peux pas. Il y a trop de lecture en juin. Alors je lirai également cette très très belle bricasse. Les machines ne saignent pas de Jenna Preston Penley. Voilà, donc on a reçu les éditions Crâne Chimère avec son beau marque-page et sa belle illustration. Bon, ça c'est sur Simplement Pro pour le site Geekopolis, au fait donc. Je lirai également donc que j'ai depuis quelques mois. Le premier roman donc du cycle du mal, voilà, L'Anse du mal de Gilles Caillaud. Celui-là, je sais que c'est aussi un sacré pavé, voilà, donc je lirai aussi, je pense, je vais me mettre pour cet été, ça va être très bien. C'est des beaux livres à lire pour l'été. Héloïse de Ophélie Cohan, voilà. Donc c'est au Phénix Noir, voilà, c'est chez IFS Éditions, hein, maison d'édition belge que j'aime beaucoup. Donc celui-là, par exemple, voilà, il peut faire partie d'une saga que je commence pour l'été en série de Totally Boon. Pareil, Eden Jones, la marque, voilà, de Catherine Loiseau, lui aussi, voilà, il fera partie donc en même temps du Paye ton slip et du challenge Totally Brune, voilà. La quête du renard blanc, donc le tome 2, les 5 épreuves de Shen Jiatong. Voilà, donc bah, en même temps c'est une autrice voilà, asiatique. Et puis en même temps c'est un petit roman jeunesse. C'est le tome 2. Donc voilà, ce sera pour continuer une saga. Alors là, je vais essayer de les lire aussi, ça va aller très vite, voilà. Donc Starfell d'abord, le tome 2. Violette Dupin et le souvenir oublié de Dominique Valente. Et Starfell, le tome 3, Violette Dupin et le royaume
évanoui, voilà. Donc c'est le tome 2 et le tome 3. Les temps en série, rien de tel, hein, pour les terminer. Et en même temps, le Peyton Slip, hein, voilà. Un petit thriller, voilà, d'une autrice, vous vous souvenez, que j'avais rencontré à tourner. Cousu de fil rouge de Véronique Valenbois. Voilà. C'est un petit thriller, voilà, je suis curieuse de le découvrir. Je vais enfin les lire parce que, hein, ça suffit de les repousser. C'est l'occasion aussi cet été, voilà. Sitatunga, et puis ce sera, ben voilà, une saga commencée, une saga terminée pour l'été en série, voilà, de Virginie. Et voilà, je pense que dans tout ça, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 livres, voilà. Donc, je lirai pas tout, je ne crois pas, franchement. Je crois vraiment pas que je lirai tous. J'avoue que j'aurais hésité à viser la taille XL, voilà. Mais non, je pense pas, vu comment j'ai démarré au mois de juin. Voilà, le Payson Slip, c'est du 1er juin au 31 août. Lire 40 livres et plus, il faudrait au moins, là que j'ai déjà presque lu 10 livres. Mais non, non, clairement non, j'en suis loin. J'en suis très très loin. Mais 25 livres, c'est possible, j'en aurais même peut-être lu 30. Je tourne à peu près autour de 10 livres par mois, généralement, donc c'est plus ou moins ce que je compte, au fait. Hein. Ben voilà. À ça, donc, viendront... Ben, peut-être que, voilà, j'en lirai quelques-uns, mais j'en lirai moins, les autorités. Mais toujours est-il que peut-être que cet été, voilà, il y aura aussi le tome 2 de Yakuza, de Cyril Vial, parce que, voilà, je suis très curieuse, j'ai vraiment envie d'enchaîner avec ce tome 2. Le tome 3 n'est pas encore sorti, donc il faudra attendre le mois de septembre. Mais, voilà, je suis très très curieuse d'enchaîner avec le tome 2. Et puis, ben voilà, il y a des autorités qui viendront entre deux. De toute façon, je vous en ai montré, hein. Je vous en ai montré quelques-uns déjà là. Et je pense qu'il y en a qui continueront à s'ajouter. Et que je piocherai là, donc dans ce que je n'ai pas encore lu, ce que je vous ai présenté dans la pal, donc quand on a fait nos pales sur Twitch, voilà. Donc je pense que j'aurai de quoi lire. Et de toute façon, bah, je vous donnerai rendez-vous dans des vlogs. Il y a un vlog qui est démarré. Faut que je continue. Mais aujourd'hui, je pourrais pas l'avancer. Parce qu'après, je dois partir. Donc voilà. Mais toujours est-il que je compte l'avancer cette semaine. Et peut-être le publier la semaine prochaine. Parce que cette semaine, voilà, ce sera encore trop juste. Mais peut-être la semaine prochaine. On verra. Faut que je m'arrange là pour publier mes vidéos, pour publier mes deux lives. Donc la pale du, entre guillemets, parce que voilà, ça n'a pas encore changé, ça va encore bouger beaucoup, du challenge, disons, de l'auto-édition. La pale, mon groupe Bookall, voilà, surtout ça. Ça, c'est encore deux. Et puis, ben, vous aurez des vlogs comme d'habitude, voilà. Et vous aurez d'autres vidéos, donc au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août. Je mettrai mon pote-le ventilateur derrière moi pour que ça aille mieux. Voilà, sur ce, je vous laisse. Si un roman vous tente et que vous avez envie de faire une lecture commune, surtout, n'hésitez pas, voilà, ce sera avec plaisir. Si vous vous dites, tiens, moi j'ai envie qu'on fasse une lecture commune là-dessus, pas de souci, n'hésitez pas en commentaire ou à venir me voir sur Insta, à l'entre du bonheur. Écoutez, je réponds toujours à vos commentaires, à vos messages sur Insta, pareil, donc n'hésitez pas. Et sur ce, ben, j'espère que vous aurez de très belles lectures, que vous passerez un très bel été. Et je vous dis à très très vite. Bye bye. Prenez soin de vous et je vous fais des bisous.